Salut les petits loups, c'est Léane de l'antre de la... Ah putain. Salut les petits loups, c'est Léane de l'antre de Léane. Je pense que c'est ce souffle dans mes oreilles qui me perturbe, puisque bien entendu, on est dans la dimension alternative. Voilà. Et souvenez-vous, c'était une boutique de cosplay dans l'autre monde. Enfin bref, nous sommes de retour dans un nouvel épisode de Silent Hill Alchemia. Donc, sans plus attendre, continuons. Continuons et essayons de trouver la suite. La suite. La suite. Ça, c'est bloqué. Pour moi, faut aller derrière cette porte. Oui, il faut une clé avant. D'accord. Bah alors, allons dans l'ascenseur. Ah. Ah, c'est pas un ascenseur hein, dans ce cas-là. Là, on est en mode. On est en mode. On est en mode. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, on était en mode. J'escalade les échelles. Et on essaye les portes. Eh oh, calmos. Calmos. On se calme. Oui, Hein? Attendez. Une seconde. Fermé? What? Oui, mais attendez, là, il me faut une clé. Je dois trouver une clé. La clé. La clé-clé. Il me faut la clé. La clé. Où est la clé? Je cherche la clé. J'attends toujours la clé. Bon. Eh bah... Éventuellement, on mettra la main sur la clé. Éventuellement, un jour. La clé? La clé! La clé! Oh putain. Avec l'effet du miroir cassé, ça faisait tellement bizarre. Ah, c'est macabre. Les tableaux, là, on passe de Berserk à ça. Bon, vous allez me dire, Berserk, c'est très glauque aussi, hein, comme truc. Mais là, c'est très vaniteux. Bon. Ah. Ah oui, attendez. Alors pour faire, attendez. C'est pour faire des couleurs, c'est ça? 1 plus 1 égale... Pour faire du vert, tu me... Ok, donc j'ai trouvé le puzzle. Je bidouille avec les boutons, mais ça ne fait rien. 1 plus 1 égale... B.
D'accord, donc. Mais il y a déjà vert, du coup. Comme ça? Alors là, je suis vraiment mis confus. Faudrait pas avoir le petit indice là qui viennent là, du genre oh mais ce tableau il est spécial et il faudrait faire une combinaison de couleurs, ça m'aiderait amplement là. Bon alors du coup comme ça, c'est une association de couleurs. Ni plus ni moins, mais ça c'est. Alors en plus, si je suis légèrement daltonien, donc s'il y a un problème, voilà. Oui, là. Ah. Tu dois te fier à ton sens du temps. Dans la pièce d'acier froid et des vêtements sales, les heures. Les heures sont cassées. Le cours du temps est instable. Tu sais quelle heure il est? Je ne sais pas. L'horloge au-dessus du trou est. L'horloge au-dessus du trou est complètement craquée. Comment es-tu arrivé ici? Est-ce que tu as pêché? Dans ce cas. D'accord. Et sinon? Et sinon? Comment ça se passe? Oui, t'as besoin d'une clé pour ouvrir ça. Bon. Eh bien, visiblement, il n'y a que ce puzzle. Ouais, il n'y a que le puzzle là. Je ne vois rien d'autre. Ah! Il y a une autre note. Les couleurs ont disparu de mon monde. Cette ville m'a changé. Mais en fin de compte, mais au bout, mais au fond, je suis coupable. Je pense que tu comprends. Tu es pareil. Si les couleurs commencent à s'en aller de ton monde aussi, alors. Tu dois revenir à la raison. Ou un truc comme ça. Même si deux couleurs. Si. Même avec deux couleurs restantes, tu peux en mettre une troisième. Tu peux en faire une troisième. D'accord. Et donc ça se réfère au puzzle. Oui, ça se réfère au puzzle de. Bah oui, ça se réfère donc au puzzle du. Du tableau, mais. Avec deux couleurs, tu peux en faire une troisième. Ouais, c'est les couleurs primaires et secondaires. C'est de la peinture, ça. C'est ce qu'on apprend en art plastique, par exemple. Comment on fait déjà? Et là, il y a du vert.
Faut le faire avec deux couleurs. Donc déjà, tout ce qui va être... Donc rouge, rouge et bleu, violet, rouge et jaune, orange. Vert. Donc pour faire du jaune. Pour faire du or... bah pour faire ça doit être du orange. Ça doit être du orange. Je vois rien d'autre. Et pour faire un bleu comme ça. Ok. Ok. Je reviens. Là, je dois me remettre les couleurs primaires et secondaires. Oui, ça arrive. Hein. Voilà. Très bien. Alors, on a visiblement des couleurs comme... Alors, pour faire du jaune, c'est rouge et vert que l'on a ici. Pour faire cyan, c'est vert et bleu. Maintenant, c'est celui-là. Tiens. Non. Pour faire le vert, c'est... Ah! Tu utilises du jaune? Et du rouge? Non. Ok, c'était ça, bleu et jaune. Ok, bon bah voilà. Oui, il a fallu que je me remette les couleurs primaires et secondaires, soustractives et tout ça en tête parce que j'avais un peu oublié. Ok. Ouais. Donc voilà, vous pouvez faire un énorme bout. Me dire en commentaire, mais t'es nul, c'était simple. J'en ai rien à faire, j'ai réussi l'énigme. On va pouvoir progresser. Bon. Allons-y. Ah ouais. Il y a quelque chose sur la table. Allons voir ce que c'est. Une clé! Une clé! Très bien! Et cette clé doit pouvoir ouvrir une porte. Une porte. Mais maintenant... Oh là 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 là. Le centre commercial. Ah! Ah! Le temps! Le temps! Le temps! Il y a un point de sauvegarde aussi. Mais il y a quelque chose avec le temps. Et ça? Voilà. 3:30. Voilà, je prends note. Je prends note, je prends note, je prends note. Bon, il y a un point de sauvegarde. Essayons. Faisons une petite sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien du tout. Bon, j'en sais rien! Mais j'en sais rien, voyons. Bon. Bon. On va pas aller pour l'instant par ici. On va essayer de voir
Autour, si on peut trouver. On peut aller en bas aussi, d'accord. On peut aller en bas aussi. Bon, bah écoutez. Voyons, voyons, voyons. Waïalalala! Bah, en fait, visiblement, en bas, il n'y a rien du tout à part un gros puits sans fond. Bon, et bah écoutez. C'est la deuxième fois que je tombe dans un puits sans fond, donc bon. Mais je peux vraiment pas y aller. Il y a vraiment rien. C'est le vide. Ah oui. Ah oui, c'est le vide. Mais le Gigastore est ouvert là! Vous faites chier! Faut peut-être que je fasse le tour. Non. Non. Bon bah. Allez. Allez, allez. Allez, allez. On y va. Donc, ici, on a une porte qui est fermée. Rien du tout. Un ascenseur. Du bruit. Ah. Ah, d'accord. Oui. Peut-il? Oui. Allô? Allô? Bon. Alors, visiblement, je crois que je me suis planté dans un ascenseur qu'il n'y a aucune possibilité de s'en aller. Alors, ça tombe bien, j'ai sauvegardé. Alors, reprenons là où on en était. Voilà. Donc, il y a une clé. La clé me permettrait-elle d'ouvrir la porte qui se trouve de l'autre côté? C'est un peu bizarre, hein? C'est-à-dire en fait, si tu n'as pas, enfin, il n'y a pas moyen de. Non, bah non, c'est pas par là. Il n'y a pas moyen de. Là, vous voyez, on peut passer. Mais si je rentre dans l'ascenseur, j'ai aucun moyen. Ah bon? Attendez une seconde là. J'ai bien pris la clé. Ouais. Mais alors, si c'est pas cette porte. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je dois aller? What? Mais. La porte, elle est coincée. Cette porte est bloquée. Cette porte est bloquée. Celle-là est bloquée. C'était pour cette porte. Très bien. Alors là, il y a une chaise seule. Des meubles. Ok, donc il y a un trou. Il y a un trou. Là. D'accord. Et là, j'ai 6h30. C'est vraiment des énigmes. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a. Qu'il y a.
3 heures qui se sont écoulées? Visiblement. Et là, on a quelque chose ici. Une clé inconnue. Bon, la clé inconnue, on sait où elle va. Pas besoin de faire un petit dessin. Alors, allons-y. Ouais, en fait, en gros, je crois que l'ascenseur... Je crois que l'ascenseur, en fait, n'a rien à voir, en fait. C'est, enfin, n'a rien à voir. Si, il va faire quelque chose, mais si vous y allez maintenant, vous êtes bloqué. C'est un peu con. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pensé à sauvegarder avant, dans la boutique d'horloge, vous l'avez dans l'os. Et donc, ça ouvre cette porte. Waouh! Ok. Là. Là, il y a une horloge. Si, avec un message. Dans ce trou. C'est dans ce trou que les âmes des victimes ont été balancées. Enfin, c'est dans ce trou que l'on balançait les âmes des victimes qui n'ont pas confessé leurs péchés. J'ai payé pour mes péchés avec ma vie, mais pas ici. La mort n'est rien de plus insignifiant que quand les personnes atone. Enfin, je sais pas. Mais. Nous devons nous jeter dans le trou. 3h30? Mais what? Bon, écoutez. Je propose qu'on aille sauvegarder et on verra bien après en se jetant dans le trou. Non. Ça va, il y a un point de sauvegarde pas loin. C'est pratique. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Continuons. Allez, Géronimo! J'ai bien fait de sauvegarder. Bon. Je suis censé faire quoi? Il y a une horloge qui n'est pas... D'accord, mais... Alors attendez. Non, je ne peux rien faire ici. Faut que je redescende en bas. Faut que je redescende à l'étage d'en bas. Oh là 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 là. Bon, je pense que ça va être le dernier épisode que je vais enregistrer aujourd'hui.
Ça fera déjà de la matière. Il y aura déjà de la matière. Bon alors, visiblement. Il y a une horloge. Ouais, voilà, celle-là, elle n'est pas à l'heure. Donc, c'est ce trou. Non, 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 non. Ouais. Et bah... J'avoue que là... Non. Là, j'avoue que c'est... Où était l'horloge? Où était cette horloge qui marquait 3h30 aussi? Où était-elle? Où était-elle? Non, là, il y avait la clé et il n'y a rien d'autre. Où est-ce qu'il est? Oh là 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 là. Il y a toujours le mystère de l'ascenseur aussi qu'il faut résoudre. Non, c'est pas par là. Je vérifie une dernière fois, mais il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose d'important, d'intéressant par ici. Non, ça, c'est... 3h30. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est... Il n'y a rien du tout. Mais il n'y a rien. Où était l'horloge? Par ici. Bon. On sauvegarde. Et je suppose que je n'ai pas le choix là. Hein? Ah non. Ouais, je suppose que je n'ai pas le choix. Ouais, on peut pas revenir.
the fuck? Est-ce que, par hasard, il faut que je tourne en rond? Dans l'autre sens. S'il est 6h30, il faut que je me place à 3h30. Oh! J'avais pas vu le bouton! Ah, c'est vraiment, on ressent la fatigue là. C'est bloqué. Bloqué. C'est bloqué. Ah. La ville ne te relâchera pas. Pas tant que tu comprendras ton péché et toi-même. Est-ce que tu arriveras à résoudre le puzzle, entrer le code? Le temps entouré par tellement de temps. D'accord, donc le temps est une. Est une multitude de temps qui n'est pas vrai, mais je n'en suis pas sûr. Peux-tu surpasser la colère et te souvenir d'un autre côté, l'ignorance et le silence ou un truc comme ça? Enfin, on doit résoudre le casse-tête. Et il y a une autre porte ici. Ah! Midi. Ok. Donc, c'est midi 30? Ah non, midi. Donc, on a 6h, 3h30. 3h30. Oh, j'avais pas vu ça. D'accord. Bon. Alors. Je vais faire un truc. Là, on a midi. Donc, visiblement, on peut revenir. On a 3h30 ici. C'est pas par là. C'est par là. Non. Tout est en bas. Ah.
Ouais, 3h30. 3h30, 3h30. Et l'autre, c'était bien 6h30. Donc on a midi et 13h30. Donc du coup, on va pouvoir résoudre l'énigme. Ouais, c'est 6h30. Ok. Bon. Alors maintenant, ça va être de chercher le code, la combinaison. Les choses me disent que c'est le calcul, l'addition de tout. L'addition de tout. Ça me semble logique. Alors, retrouvons le chemin. Voilà, là. Allez, hop, une petite sauvegarde. Ça mange pas de pain. Et je vais continuer un peu. Allez, hop. 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 Et allons-y. Alors. Donc. 3 et 3, 6. Ça rajoute une heure. Donc on en est à 10. 10 et 15, 25, 2, 5, 3, 0. 2, 5, 3, 0. Non. Donc. Un, non deux. Deux, quatre, neuf, zéro. Ok. Le temps est... Le temps... Ok. Bon. Et si c'était le temps qu'il y avait entre chaque période, genre, on rajoute 3. Puis ensuite, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. On a 9 et de 3h30. Et de 3h30, on va avoir 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9. Mais 9, même 8. Donc, ça ferait un truc comme
3 9 8 3 0. 3 9 8 3 0. Non! Neuf et trois, 12. 2, 0, 3, 0. Trois, 3, 0. 6, 3, 0. 0. Le pif gagnant. Le pif gagnant! Si quelqu'un a compris comment résoudre cette énigme, dites-le en commentaire. Là, j'ai rien compris. Écoutez, on ira voir ce qu'il y a derrière cette porte dans le prochain épisode. Je vais aller manger. Je vais aller manger. Et je verrai dans le prochain épisode. Donc voilà. Voilà. J'ai rien compris. C'est le pif gagnant. Mais au moins la porte est ouverte. Donc dans le prochain épisode, on pourra aller de l'autre côté. Bon bah écoutez. Sur ce, eh bien, on touche au but. On le touche, je peux le sentir, c'est bientôt la fin. Et voilà, hein. C'était Leyane de l'antre de Leyane. Je vous fais plein de bisous et de câlins. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Peace. J'ai vraiment rien compris.